You're back. It must have been one hell of a journey, especially on your own. But now the whole team is together again. The whole team? Die Hard men too? Too much traveling to and from beaches in such a short span. Chiral matter contaminated her cells, effectively causing jet lag on a molecular level. Because of that, her homeostatic mechanisms were shaken. Don't worry, she's not in any danger, but she needs some rest. So where's the director? He's being looked after in another room. Bridges personnel found him lying outside the isolation ward. Similar to when you came back from Cliff's Beach. Even after decontamination, she needed more and more time to recover. Sam, you made it. Hungry? Thanks. Looks like you need me after all. Who'd have thought? Anyway, clock's ticking. Am I right? Sam's here. The Great Deliverer. The only one who can reach Amelie's Beach. You're in no condition to do this. It's not fair to you, or Sam. In my own search for Amelie's Beach, I have come to realize something extraordinary. If beaches were likened to a multiverse, hers would appear to exist on a higher plane than ours. I can walk the beaches of others, but hers is beyond my reach. It's invisible, inaccessible, even to fragile, I fear. Imagine it as a circulatory system, if you will. Each of our beaches is a single capillary, but Amelie's Beach is the heart that pumps blood to the rest of us. Capillaries are subordinate to the greater whole. A whole governed by the heart, which gives direction, which dictates flow, which dictates everything, controls everything. Don't you see? She is in control. You may be able to travel against the flow and reach her, but having done so, if she does not wish to let you go, if she wishes to keep you, she can. Fragile and Die Hard men broke free from her beach, didn't they? I don't think it was any different from what happened to you. I didn't get out because I wanted to. I was forced out, repatriated, if you will, by her. Forced out? Why? This is only a theory, but she wants you to go to her. That's her final wish, don't you think? So that's it, huh? Amelie's the EE, and this is her endgame. Just so we're clear, if I want to stop the last stranding and come back in one piece, I need to go to her beach and talk her out of it. That about right? Correct. As cliche as it sounds, you're our only hope. Though quite frankly, I doubt even you can change her mind. If you can't make her see reason, you'll have to kill her. And if you kill her, you'll save the world. But you'll be stranded outside of it. Forever.
Might as well make it official then. You ready to deliver the package? I'll talk to her. Maybe she'll listen. But with the shape the world's in, it'll only be delaying the inevitable. Still, if it buys us time to try and build something better, a new lease on life, at least for a little bit. Well, I can think of one woman who made the most of a chance like that. Nothing lasts forever, not even the world. But we gotta keep it going as long as we can, right? Patch the holes, change the parts, all that. So we can say we had a good run, that we lived. Thought you didn't like having to handle things with care. Because it was hard enough keeping my own shit together. Back when we met at the cave, the only thing I cared about was making it to the next sunrise. Sure as hell didn't care about America or the future. I was living a lie, hung up on past regrets. I was broken. But somewhere along the way, I started changing. Started meeting people that made me think that maybe it wasn't all bad. People that put their faith in tomorrow, and in me. That kept the lights on, and waited for hope to arrive. So I gotta deliver, for their sake. Even if it means you never come back? Fucked if I do, fucked if I don't, right? Take care of Lou. I will. Couldn't find a working still mother east of Port Knot City. Kid's done enough. No more. All right. I'll do my best to nurse our little one back to health. Concentrate. Help me look for Emily. Reach for her, Sam. Feel her. I know you love her. You love her! Alors on a un petit temps de chargement là, je voulais en profiter pour faire une petite pause, pour discuter un peu. Alors déjà, il y a un truc que j'aime pas, c'est quand elle dit, genre vous l'aimez, you love her. Enfin bref, je sais pas, ça m'agace, la façon dont elle le dit, ça fait tellement étrange, enfin bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais aussi parler du visage de Fragile. Ah, il est extrêmement bien fait, je trouve. On la voit, elle est blanche, elle était dans le coma et tout ça. Elle a des cernes et tout. Je trouve que les visages dans ce jeu sont extrêmement bien faits. Genre quand les gens pleurent, quand les gens sont au bord des larmes. Par exemple, Clifford Unger. J'en ai pas parlé, mais quand on l'avait combattu, c'était le dernier épisode, je crois. Il avait les yeux qui étaient mouillés, quoi, parce qu'il était au bord des larmes. Quand on l'a vaincu, parce qu'il parlait du bébé et tout ça. Ah, je pense que les visages sont extrêmement, extrêmement bien faits dans le jeu. Très expressifs. Et encore une fois, c'est des acteurs
Puis après, c'est de la mocap, et après, c'est retravaillé par une très bonne équipe. Donc honnêtement, c'est pas nouveau. Mais voilà, là, on a une explication aussi du fait que, au final, on comprend bien que c'est vraiment Amélie qui tire toutes les ficelles. Amélie a une grève privée, en gros, qui contrôle tout le monde. Donc, si elle veut pas qu'on l'atteigne, on va pas pouvoir l'atteindre. Et si elle veut pas, si elle veut que vous partiez de sa grève, elle va vous forcer en fait. Donc, elle va vous forcer à être rapatrié. C'est ce qui s'est passé avec elle. C'est ce qui s'est passé avec nous quand on était avec elle et elle nous a jetés. On a été rapatrié en fait automatiquement. Donc ça encore, gameplay avec cinématique, avec histoire, donc là on a une explication encore en plus du fait que c'est vraiment elle qui contrôle tout. Après, on a eu pas mal d'informations sur Die Hard Man. Avant, j'en ai parlé, c'était aussi extrêmement intéressant. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout. Je crois qu'on va continuer encore. Je sais pas trop comment j'aurais coupé ces vidéos, mais l'histoire devient extrêmement épaisse, extrêmement intéressante. Mais encore une fois, il y a plusieurs couches, mais je pense que c'est très très bien amené et très très bien expliqué. Et après, personnellement encore, j'aime beaucoup le fait que toute l'équipe soit réunie et tout ça. Je trouve ça vraiment vraiment cool. Voilà, on va continuer. En parlant de Die Hard Man, donc John, c'est un très très bon acteur, il s'appelle Tommy... Ah, j'ai oublié, je vais le mettre dans la description. Très très bon acteur. J'en avais déjà parlé à quelques épisodes en disant que je lui avais même dit un truc sur Twitter et il m'avait même répondu et tout ça. Très 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 sympathique cet homme. Et il va avoir un speech vers la fin du jeu qui est extrêmement bien. Pouce vert pour lui. Voilà, on va continuer. Donc il va avoir énormément de cinématiques, énormément de conversations. Il va avoir un peu de gameplay où j'en profiterai. Il va avoir un passage où je vais mourir exprès pour vous montrer en fait différentes cinématiques. Voilà, on y va. Voilà, la grève d'Amélie, elle est spéciale, très spéciale, j'adore le visuel. Alors, faites attention au visuel, essayez de... En fait, il y a tellement de choses à regarder à chaque fois dans ce jeu. Il y a le visuel, il y a la mise en scène, il y a la conversation, il y a l'explication.
C'est juste super stylé. Hey, Amelie. Where are we? J'aime bien parce que les quand ils gueulent maintenant, ça a changé, c'est parce qu'ils cherchent Amélie. Anybody out there? Anybody out there? Hey, Amelie. C'est tellement étrange en même temps. On est fasciné en fait par le fait que ça soit étrange, mais on va apprendre plein de choses. Ça serait en gros, ce qui se passerait, c'est que comme il disait, la grève d'Amélie contrôle tout, et du coup on voit la planète en fait en face de nous. Bridges falling down, falling down, falling down. London bridges falling down, my fair lady. The last stranding has already begun. Amelie? You're too late. What took you so long? Your voice. You still don't know who I am, do you? Who are you? Sam. I'll be waiting for you on the beach. I've been waiting for you, right here, ever since. You were supposed to stop me. Stop all of this. Bridget? Yes. It's me, Sam. Where's Amelie? Where she's always been. Nowhere. My daughter, Samantha America Strand, doesn't exist. Amelie doesn't exist? Not in your world. I'm sorry, Sam. To wear a mask for so long. Amelie and Bridget are both a part of me. What's this supposed to mean? Quiet, and I'll tell you. There is no time for questions. Listen. Just listen.
Do you understand, Sam? Amelie and Bridget? Those are just names. What I am is an extinction entity. So, knowing what you know now, you have two choices. Just getting shot, one of them. You wouldn't come back if it happened here, you know. You'd be straight on to the afterlife. But no. It's not one of them. Killing you would be a terrible mistake. I know that better than anyone. The last stranding has already begun. A seam has formed from my beach and the beaches of every soul in America. And soon it will be inundated by a vast surge of antimatter starting here. In a flash, this world will be no more. Consumed by an explosion. A big bang. So, that brings us to your first choice. Do nothing. Stay here with me. And bear witness to the very end. Just watch it burn. Together. With me. Until the last flame winks out. Doesn't sound so bad, does it? It's not like the world has long left anyway. Then there's the second choice. In expanding the network, you brought people and their beaches together, integrating them into a greater whole. Like this Khipu. But in doing so, you also bound them to my beach. The very beach where I opened the gates to the other side. You can't stop what's coming. But if you cut me and my beach loose, perhaps you can stop it from spreading. You might just prevent the last stranding. And mankind will live to die another day. And it doesn't have to end here. But it does. The beach is doomed no matter what. One look ought to tell you that. Which is why we must sever our connection. That'll be it. The end of the Death Stranding. You can't stop the inevitable. The sixth extinction will happen either today or tomorrow. You can either end it with dignity, quick, clean, and in a flash, or you can struggle in vain. Knowing full well what's waiting come the finish. Those are your choices. You kept it all this time. Perhaps you still have a chance to stop this nightmare. You brought the world together. You have the right to decide. Pull the rope, or cut the noose. But whatever you do, don't hesitate. I'm ready, Sam Strand. Make your choice. Wait. I don't know what to do. Sure you do. After everything, how could you not? Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. On peut lui tirer dessus. Ou la laisser partir. Donc ça devient un peu compliqué parce qu'on a l'impression qu'elle
elle le fait en fait, qu'elle est obligée, mais au fait elle est pas obligée, c'est juste que elle est un peu triste, on va dire. Elle a perdu l'espoir en fait de pouvoir changer les choses, et nous on doit essayer de lui redonner l'espoir de changer les choses. En tout cas, je vais vous montrer ce qui se passe si on lui tire dessus. Mais on peut rien faire. Et ce qui va se passer, c'est la fin du monde. Donc on a lié en fait toute la planète, tous les êtres vivants à sa grève. Et c'est à partir de sa grève que la fin du monde va commencer. Death Stranding, l'ultime Death Stranding. Ce qui est marrant, c'est que ça donne déjà un titre pour le deuxième jeu, genre The Last Stranding, au lieu de Death Stranding, genre Last Stranding, ça peut être pas mal. Mais voilà, en gros, c'est ça. Et nous, on essaye de lui faire changer d'avis. Mais c'est un peu... C'est à la limite, j'ai envie de dire, c'est un peu abstrait, ce moment-là, où on doit... lui faire changer d'avis alors que c'est un agent d'extinction, mais qui réfléchit par elle-même, et elle se dit que peut-être on peut sauver la planète ou pas, et elle a l'impression de le faire, mais de se forcer à le faire en fait. Mais pour quelle raison, vous voyez ce que je veux dire? Parce que pour elle, c'est un agent d'extinction, mais elle sait pas pourquoi elle en est. Elle va en parler après, hein, mais c'est pour ça, je préfère le dire maintenant parce que c'est un peu plus facile à comprendre. Elle se sent obligée de le faire parce que c'est un agent d'extinction, mais elle sait pas pourquoi elle est un agent d'extinction, elle sait pas d'où elle vient. C'est pas comme si elle était née de quelqu'un ou quoi que ce soit, elle a été créée en tant qu'agent d'extinction. Donc elle a l'impression qu'elle est forcée à faire ce qu'elle fait, et nous en tant que Sam, on essaye de lui faire changer d'avis, mais elle peut le faire, elle peut arrêter à tout moment, c'est ça le truc hein, qui est intéressant, c'est qu'elle a plein de possibilités de le faire, mais elle se sent obligée de le faire. C'est un peu abstrait dans un sens que ça tourne toujours un peu autour des sentiments humains entre elle, le monde, entre elle et Sam, entre elle et ce qu'elle veut vraiment, où est-ce qu'elle est, donc bon. Après c'est comme on veut, mais ouais, là c'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus au feeling, vous voyez ce que je veux dire? I'm ready, Sam Strand. Make your choice. Wait. I don't know what to do. Sure you do. After everything, how could you not? Sam Strand. On a qu'à faire ça. Prendre dans les bras. I'm here for you. Always. Like you were for me. Here. It's a dream catcher. Wear it when you sleep, and I'll keep the nightmares away. I'll always be with you. When you're all grown up, you'll need it to make us whole again. And when the time comes, you'll have to stop me. You are the only one who can. Promise you'll remember. Sam, I'll be waiting for you on the beach. I remember. You knew. You always knew. I did and I didn't.
so many dreams of the future. I didn't know which ones to trust. Which is why I decided to share them with you and the others. But to connect the dots, to make sense of everything, you need perspective. You need time. Time has no meaning to me. I am not a line. I am a single point. Which is why all I could do was just show you the choices and let you decide. Our nightmares are your dreams. You found the common thread, the strand that links them together. And you did that the only way possible. To live life one day at a time. Thank you, Sam. A gun won't help you here. Still has a role to play. It was the bonds between people that brought the world together. And if that is what matters most to you, then I will stay here on this beach. And I will shut myself in the rest of you out. Shut yourself in? Come on. Once the last stranding starts, it can't be stopped. I can't go with you. All I can do is try to spare you the worst. Why do you have to stay on the beach? Sam, I am the beach. And I must stay here and ensure that the extinction happens. Even if it takes tens or hundreds of thousands of years. Alone? That's what an EE does. If I had just done my job, none of this would have happened. But I couldn't take it anymore. I got so tired of waiting, and I figured that no one would blame me if I just got it all over with. Did. Sounds like hell. But you and the others came together, connected. And you may be living on borrowed time, but you still have hope. Before each of the Big Five, life rebelled. They fought back. Evolved in order to survive. The extinction isn't just an ending. It's an opportunity. And if I have to pay the price for that, to be the sacrifice, then so be it. Together, we will always be connected. Goodbye, Sam.
A gun won't help you here. But it still has a role to play. Ouh, compliqué. C'est vrai que y avait un truc que j'ai complètement oublié. C'est... là on est sur la grève de Sam. C'est pas la même chose. On va avoir une explication pourquoi il est comme ça, pourquoi il a plus de couleurs, pourquoi il est mort en fait. Il y a un truc à savoir, j'avais complètement oublié le fait que ces rêves là, elle en fait elle voit le futur, mais elle voit plusieurs futurs en fait, elle voit plusieurs choses qui peuvent se produire dans le futur. Et ça, elle les a donc partagés avec les gens qui avaient le Dooms, comme par exemple ça, donc les cauchemars et tout ça. Donc il y en a qui devenaient des fous, il y en a certains qui devenaient des gens comme Sam ou comme Higgs, comme Fragile et tout ça, avec des Dooms et avec des pouvoirs du coup. Ça, c'est vrai que j'en avais pas parlé, j'avais un peu oublié. Mais après, il y a un peu un truc un peu bizarre, c'est que voilà. Elle sait qu'elle est un agent d'extinction, puis elle se sent forcée à... Tommy Lee... Tommy Earl Jenkins, c'est Dyerman. Voilà, c'est lui dont je parlais. Elle va nous apprendre un peu plus sur l'histoire, sur son histoire à elle, sur pourquoi elle est un agent d'extinction et tout ça. Over here. Over here. Mais ouais, au final, elle est très humaine. Pour quelqu'un qui n'est pas humain. C'est un agent d'extinction, c'est pas une humaine. Mais elle est très très humaine. Elle a beaucoup de sentiments humains. Elle a de la... Il y a du conflit, il y a de l'amour, il y a de la haine. Pour elle, elle est éternelle dans un sens. Après, elle nous dit que le sixième Stranding, le Death Stranding, va arriver un jour ou l'autre. C'est inévitable, on ne peut pas l'arrêter. Il arrivera un jour ou l'autre. C'est jusque là, on le repousse en fait. Mais voilà, elle avait des options, mais elle a quand même décidé de continuer. Enfin, c'est un peu étrange, en fait, parce que, voilà, au final, elle est tellement humaine, et c'est ça qui change tout, en fait. C'est qu'elle est humaine, c'est ça, le truc. Elle a des sentiments très humains. Quiet, and I'll tell you. There is no time for questions. When you were young, you used to have bad dreams. You cried about them all the time. The truth is, those weren't your dreams. They were mine. For as long as I can remember, I've dreamt of the beach. Not just while sleeping, in my waking hours too. In my dreams, I watched the world end so many times. Countless past extinctions that decimated life on this planet. Again and again and again. At first, I didn't understand what I was seeing or why. And that wasn't the worst of it. There were other, more terrible dreams. Dreams of death and destruction. Of a massive extinction to come. Like this one. And I would always be the one to end it all. To bring about the last stranding. As I have today. Donc voilà, là on va en apprendre plus beaucoup, beaucoup sur elle. Là ça va être concentré sur elle et ce qu'elle a vécu. Hideo Kojima. Ce qu'elle a vécu. C'est intéressant. Mais encore une fois, voilà, moi je la trouve un peu trop humaine pour un agent d'extinction. Mais c'est cool, c'est quand même cool. J'aime bien comment c'est présenté la fin, honnêtement. Je trouve ça plutôt cool. Je trouve ça plutôt sympathique. Qu'est-ce qu'on pourrait... On pourrait parler de quoi encore? Oui, après elle va nous expliquer en fait pourquoi Sam existe et tout ça. Ce qu'elle a voulu faire avec les bébés aussi. Pas mal de choses en plus. On est reparti.
Il y a tellement de choses auxquelles je voudrais parler, mais... Écoutez. Juste écoutez. La première opération. J'étais seulement 20. J'ai ouvert mes yeux et j'ai trouvé sur la beach. I was back in the hospital bed. I was split across two worlds. Bridget, my Ha in that one. Amelie, my Ka in this. Somehow, the two of us managed to coexist. Soon, our ages began to diverge. Amelie Bridget's body got older. While the beach kept Amelie's the same. So I came up with a story. I told people that Amelie was my daughter. A daughter with a debilitating condition and an absent father. Look. Amelie. Am is French for soul. A soul that's a lie. There was no Amelie. Only me and the beach. I thought it was a curse in the beginning. But later, I started thinking. Maybe I can use this. I tried to find out more about the beach. Because understanding the beach had to be the key to interpreting my visions of the future. Je suis pas super fan aussi du fait Amélie. Donc il y a Am. Bon, l'âme en français, comme elle a dit. Et après il y a L-I-E, donc qui est là et qui est mensonge. C'est un peu tiré par les cheveux, je dois dire, honnêtement. Mais bon, c'est du Kojima, hein. Faut pas trop en demander des fois. Kojima, il aime bien faire des trucs un peu. À la limite, bébête, j'ai l'impression. Mais voilà, en tout cas, voilà. Elle a expliqué pourquoi il y a eu deux. Parce qu'en fait elle a été séparée avec son K et son Ha, donc sa forme physique et sa forme spirituelle en gros. Et elle a trouvé cette histoire en disant que Bridget était donc la mère et Amelie était donc la fille. Mais en fait ça n'a jamais existé, ça a toujours été la même personne. Et voilà. Et c'est ça encore, c'est pour ça que j'avais vraiment parlé du fait que elle est un agent d'extinction, mais elle ne sait pas pourquoi. Vous voyez qu'elle est, elle est née comme ça, elle a été créée comme ça. Du jour au lendemain, elle a ouvert les yeux, elle était comme ça. Puis après, elle a eu une opération à 20 ans et tout. Mais elle sait rien d'elle-même. Donc ça aussi, c'est important de prendre en compte. C'est comme si vous vous réveillez, vous savez pas du tout ce qui se passe. Et vous êtes une personne spéciale qui ne peut pas mourir et qui a des pouvoirs, enfin des pouvoirs que vous comprenez même pas en gros, genre elle a la grève et tout ça, elle comprenait même pas ce que c'était à cette époque. Donc il y a plein de trucs comme ça, faut essayer de se mettre à sa place en fait, dans un sens, j'imagine, pour mieux comprendre l'histoire. Je crois que c'est ça l'important, c'est essayer de se mettre à la place de Amelie pour essayer de comprendre. Genre, donc du coup, voilà, elle a voulu essayer de comprendre ce que c'était la grève et tout. Et sa forme physique vieillissait alors que sa forme spirituelle restait jeune grâce à la grève. I realized the beach was connected to the world of the dead, which meant that somewhere out beyond it were the memories of time itself, including those of every organism that had ever lived. 4.6 billion years of biological history, a history that might even stretch back to the creation of the universe. The chiral network and everything that followed was born from my pursuit of that knowledge. By passing data through the beach, we were unbound by the restrictions of time. Simulations that would have taken years or more were simple and
effortless. Everything that the Earth had lost and forgotten could be reconstructed and reclaimed. But shortly after we began our research, America saw its first void out. I thought I was running out of time, that my nightmares were becoming a reality. So I raced to complete the chiral network as quickly as possible. The past held all the answers. If only I could find a way to piece them together. A network that bridged our world and the beach. That might do it, I believed. So I started researching bridge babies, children bound to the world of the dead. What causes an extinction entity to come into being? What was the reason for the previous 5 mass extinctions? The answers to those questions would tell me how to stop the 6th. I founded Bridges, more determined than ever to build a chiral network that would cover all of America. But the longer I fought my war against the inevitable, the weaker I became. My Ha had cancer. The beach's punishment, maybe, for not playing along like a good little EE. And then, just like that, my Ha was gone. I couldn't finish what I'd started. So, I asked you to do it for me. And you did. You helped us complete the network. Helped us to reclaim everything the universe experienced from its inception to this moment. Every mystery was ours to solve, like this one. Once, there was an explosion. A big bang that gave birth to time and space. Thing is, it was more like a big fluke. All that matter and antimatter should have canceled itself out, leaving nothing. But somehow, a tiny speck of matter survived. Just enough. Enough to make this world and everything in it. A world that shouldn't be, a world out of balance. Order inevitably gives way to chaos. Everything that lives must inevitably die. It's like the universe is trying to return us to the nothing we came from. Maybe the Big Five were its best attempts to finish us off. But somehow, life always managed to survive just enough. Enough to thumb its nose at the will of the cosmos. You know, I'm starting to think that extinction might be the key to overcoming total annihilation. It forces life to fight to survive, to endure, to exist. That's why the Big Five ultimately rekindled life instead of extinguishing it. From the ashes of the dead rise the living. Stronger and wiser. Inheritors of the legacy of existence itself. They defy the universe and refuse to surrender. They say, we're just getting started. Extinction is an opportunity. Oh, elle a dit tellement de choses. Là, on commence en fait à partager... J'ai envie d'utiliser le mot folie. On commence à partager la folie dans laquelle elle a plus ou moins sombré. En étant un agent d'extinction qui a pas fait son boulot, en gros. Elle devait juste dératiser la planète, ok? Elle devait détruire toute forme de vie, et basta. Mais elle a commencé à se demander pourquoi il y a eu 5 autres agents d'extinction avant. Pourquoi à chaque fois il y a cette sorte de... Moi j'appelle ça une sorte de reset à chaque fois. Et pourquoi surtout il y en a eu 5? Pourquoi la vie reprend le dessus après? Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est quelque chose, genre une puissance supérieure qui essaye de détruire la vie sur cette planète, mais qu'il n'y arrive pas? On en est presque au 6e en fait, Death Running. Il y a tellement de questions en fait. Et elle est dans un sens immortelle, dans le sens où elle peut pas... C'est pas qu'elle peut pas mourir, mais grâce à la grève en fait. Elle est infinie. Elle est infinie. Tant qu'elle fait pas son boulot, après je pense que les agents d'extinction sont toujours en vie en fait. Même après l'extinction, elle-même, après avoir déclenché le Death Stranding. Donc je pense qu'ils sont plus ou moins
immortelle grâce à la grève. Après, son corps physique est mort, oui, mais après, elle peut toujours se balader dans le monde des vivants et les grèves. Grâce à la grève. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. Mais du coup, c'est un casse-tête énormissime, en fait. C'est un casse-tête monstrueux. Surtout pour elle. I pulled the trigger twice that day. I knew at once I'd made a mistake. I found your beach and looked everywhere for you. Sam. There you are. C'est pour ça qu'il a la marque sur le nombril. Fundamental balance between life and death. I just wanted to save you. I am an extinction entity. It's my fate to lead our species to extinction. At that moment, you became part of that fate. You became a repatriate, and dooms started spreading my nightmares to others throughout the world. It was me that got you and everyone with dooms into this. Not long after, the Death Stranding occurred. The dead clung to our world, and BTs used my beach to cross over and devour them. Triggering more void outs. A catalyst that would set the world on a path to extinction. It was my duty to serve as a sacrifice, to wait and watch it unfold from this beach. That, or hasten the last stranding and end this slow death. Given these, my only options, I chose to end it quickly. But to trigger the last stranding, I needed you, a part of me. Here too. I would be able to witness extinction consummated with you by my side. But now that you're here, there's another choice. You can cut me off. An EE doesn't have that option for itself, but in my nightmares, I saw another future, one that you chose. One where extinction is hope. Against total annihilation. Donc là encore, après elle explique aussi... C'est pour ça que je la trouve un peu trop humaine en fait pour un agent d'extinction. Mais c'est voulu hein, mais c'est un peu dérangeant dans un sens. Normalement elle devait faire un Death Stranding, ok? Parce qu'il y en a eu 5, elle devait faire le 6ème Death Stranding. Elle a décidé de... d'aller plus loin, elle a voulu faire l'ultime Death Stranding, le last Death Stranding en fait, et de vraiment tout détruire, la planète entière. Et elle aurait pas dû faire ça, puis après bon, c'est parti un peu en live, surtout qu'elle a utilisé ses pouvoirs donc pour ressusciter Sam, qui était mort, et on va voir pourquoi Sam était mort en bébé sur la grève.
Parce que c'était le premier bébé, en fait. Et c'est pour ça qu'elle s'est liée d'amour, en fait, avec lui. Et elle l'a sauvé. Mais elle aurait pas dû le faire. Alors après, est-ce qu'elle a été punie pour avoir fait ça? On ne sait pas vraiment. Mais c'est à ce moment-là où, elle, en fait, elle lui a donné, du coup, le Dooms. Et ça a commencé à se répandre. Donc certains humains ont eu le Dooms et ont commencé à voir ce qu'elle avait vu. Genre, pour eux, c'était des cauchemars, mais pour elle, c'était des visions du futur avec différentes fins. C'est là qu'aussi que les BT, donc les Beach Things, les échoués, ont commencé à revenir, en fait, du monde des morts et ont refait surface. Donc, c'est elle qui a tout déclenché, en fait, dans un sens, à cause du fait qu'elle voulait mettre fin. Pourquoi ? Parce qu'elle a plus ou moins pété un câble. Moi, c'est comme ça que je le vois, c'est qu'elle a plus ou moins pété un câble parce qu'elle a voulu faire des recherches sur... sur les grèves, elle savait pas ce qu'elle était, elle savait pas... Enfin, après, elle a appris ce qu'elle était d'un agent d'extinction, mais elle savait pas pourquoi... qui l'avait créé, pourquoi elle avait été envoyée, pourquoi il y en a eu 5 avant, pourquoi en fait, voilà. Et voilà, donc c'est assez intéressant, mais... Ah, c'est... Plein de choses auraient pu être... arrêter, en fait. C'est ça qui est agaçant pour moi. Moi, ça me... J'adore, moi, c'est des histoires comme ça, mais c'est super agaçant dans un sens. Parce que vous vous dites que si elle avait fait d'autres choix, en fait, il n'y aurait eu pas de mort, il y aurait peut-être une meilleure fin. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu tellement de souffrance dans le monde, genre le monde a été brisé, l'Amérique a été brisée, tout ça. Donc, on aurait pu peut-être éviter tout ça. Tout ce bordel, en fait. Et en gros, maintenant, donc elle a commencé le dernier stranding, mais on va pouvoir en fait couper sa connexion avec notre réseau chiral, avec la planète en gros, et on va pouvoir l'empêcher pour le moment. Donc, est-ce que ça arrivera un jour? On ne sait pas. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, à partir de là, le jeu peut avoir plusieurs fins. Enfin non, pardon, pas plusieurs fins. Peut avoir plusieurs jeux, en fait, d'affilée. Peut avoir 2-3 jeux d'affilée. On peut continuer à être Sam, on peut être genre un enfant de Sam, on peut être... que Kojima, il aime bien aussi revenir en arrière, genre des prequels. On pourrait comprendre un peu mieux, genre du côté d'Amélie, comment elle l'a vécu, tout ça. Bon, ça a pas dû être très simple, parce qu'elle a honnêtement pété un câble pour moi, vu qu'elle a fait toutes ses recherches et tout ça, elle a eu aucune réponse. Il y a personne, en fait, qui l'a aidé, elle a pas eu de genre de parents qui lui a expliqué ça. Mais voilà, il y a plein de possibilités, je trouve ça vraiment cool. Mais voilà, l'histoire, c'est ça. Je pense que maintenant, on a toutes les réponses pour le moment. Il reste plus que la connexion entre Sam et Cliffhanger qu'on va avoir après. Mais voilà, maintenant, on sait qui est Amélie, pourquoi elle existe, pourquoi le monde est comme ça, pourquoi les échoués remontent, les grèves, comment elles fonctionnent. On sait vraiment tout. Ouais, on sait vraiment tout. Maintenant, il ne reste plus que la partie Sam. Pourquoi c'est un rapatrié? C'est le premier rapatrié, c'est le premier qui a été créé, en fait, à cause des choix de Amélie. Et la connexion, encore une fois, comme j'ai dit, avec Clifford Unger et le bébé, le premier bébé qui a existé, donc c'est bien Sam, en fait. Et vous vous rappelez que Sam a une croix, en fait, au nombril. Donc on peut voir qu'il n'est pas né normalement, et ça explique pourquoi, parce que c'est un bébé. Et puis il a une cicatrice, donc la cicatrice en croix, c'est le signe qu'elle a fait quand il était en tout bébé mort là sur la plage. Donc voilà. A gun won't help you here. But it still has a role to play.
Listen, Sam. I was the one that brought you and Cliff together again. There was something I wanted you to know. You were never abandoned. And you're not alone. Don't you see, Sam? You have to live. Se reconnecter au monde des vivants, c'est parce qu'on était mort. C'est ça qui est en fait le paradoxal, c'est que Sam était mort. Oh, regardez, regardez, regardez. Vous voyez? Les cinq êtres qui volent. Donc, moi, pour moi, je pense qu'ils sont immortels grâce à la grève. Voilà, Death Stranding est large en fait. L'histoire peut être vraiment super élargie avec rien que le fait d'avoir ces êtres là, les êtres des agents d'extinction, encore là, peut-être qu'ils vont essayer de punir Amélie, peut-être qu'ils vont revenir. Donc on peut avoir la suite d'un jeu, on peut avoir plein de choses. Don't give up. You're still connected. Il est super, Deadman. On peut pas ne pas l'aimer, ok? On peut pas ne pas l'aimer, Deadman. D'accord? C'est impossible de pas l'aimer. Jamais vraiment pris le temps de regarder s'il y avait des trucs intéressants. Je pense pas. Genre si on peut voir les entités d'extinction. Mais elles sont là, les entités d'extinction, les cinq personnes. Donc ouais, l'histoire de Death Stranding peut continuer, peut vraiment avoir un truc intéressant. Maintenant qu'on a posé les bases, ça peut être un truc énorme. En tout cas, ils ont réussi, ils ont trouvé un moyen de nous rapatrier nos amis, donc on va le faire. Ah, beaucoup d'histoire. Vous avez mis un terme. Encouragement d'Iron Man. Fier, admiratif, inquiet. Alors on va avoir beaucoup d'Iron Man maintenant. Un terme au Death Stranding, à l'ultime Death Stranding.